Bien bonjour à tous les amis, c'est Dexa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série Art Farm saison 1. C'est le dernier épisode et oui, aujourd'hui je suis en compagnie de Bastien. On va tout vendre et on va vous faire les comptes et vous allez voir à la fin qui a gagné cette première saison de Art Farm. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à parler dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve juste après la fin. À la suite. Bien les amis, on se retrouve in game, on est parti. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider du coup mon silo d'ensilage avec Bastien. Hop, c'est parti. Du coup j'ai mis un convoyeur comme ça, tranquillou, ça va se faire tout seul. Donc ça va nous remplir les bennes et nous on va directement vendre les bennes d'ensilage. On va directement mettre les bennes d'ensilage tout simplement à la vente, direct. Comme ça sera beaucoup plus simple pour nous. Hop, voilà, ça nous évite de faire des allers-retours avec le télescopique, avec le machin, le truc. On a préféré prendre un convoyeur, ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus simple en vrai pour nous. Donc voilà ce qu'on va faire pour l'instant. On va remplir les bennes, on va les vendre. Et après les amis, on ira vendre tout notre soja. Donc tout est dans les silos, donc on fera des allers-retours avec un camion que la Kuma va nous louer. On va te faire des allers-retours avec un camion. Il y aura des accélérés, il y aura des coupures, ne vous inquiétez pas, ça va être un épisode où on va pas beaucoup parler avec Bastien. Voilà, mais sinon c'est un épisode où on va parler plus à la fin. Mais on va surtout faire beaucoup d'accélérés, beaucoup de ventes, sinon l'épisode va durer 25 000 ans. Allez hop, moi c'est parti, je suis plein, 14 000 litres d'ensilage. Bastien, je te laisse te remplir aussi. Ouais, je m'en remplir. Et du coup, on va vendre direct là. Donc c'est juste à côté, donc en vrai ça va. Mais ça va beaucoup plus vite, tu vois, pendant que je vais vider, au moins Bastien se remplit. Et là, donc du coup, nous on est à moins 2184 euros. Pourquoi? Parce qu'on a passé la nuit tout simplement pour que l'ensilage puisse se fermenter. Et du coup, là, hop, voilà, c'est parti, on vend. Et là, normalement, l'argent devrait affluer, devrait arriver assez rapidement. Et donc là, on est déjà en bénéfice grâce à cette benne, on a remboursé, on est en bénéfice. Je vous rappelle les amis, donc 4600 euros la benne. Je vous rappelle les amis que on a encore 55 000 euros d'emprunt à rembourser. Donc ce qui est plutôt pas mal. On en a beaucoup en fait à rembourser encore. Donc vraiment, on a pas mal de choses. Ah, ce qu'on va faire, tiens, tant qu'on est là, c'est qu'on a la moissonneuse qui est là-bas. Du coup, j'ai moissonné avec une autre moissonneuse, tout simplement. Parce que sinon, en fait, l'épisode durerait 25 000 ans, vraiment. Parce qu'il y a Bastien aussi qui doit moissonner ses champs, il y a moi. L'épisode durerait 50 000 ans. Du coup, on a préféré prendre une autre batteuse. Et comme ça, on va battre à deux batteuses. Et du coup, bah, là, j'ai mon soja. Donc, je vais en profiter pour vendre le soja tant que Bastien se remplit. Tant que Bastien remplit sa benne, on va vendre le soja. Alors, le soja, il se vend... là il se vend 1500, je vais pas aller plus loin, je vais aller là, 1500 euros, c'est plus simple, comme ça voilà, c'est juste derrière, c'est proche, même si on le vend pas au meilleur prix, on a quand même 1500 euros les 1000 litres de soja, je trouve que c'est plutôt pas mal, on va quand même se faire pas mal d'argent. Tain, Bastien, ta benne elle est grande, hein, elle est longue à remplir. Elle est très longue à remplir, ouais. La vache, c'est pas mal, hein. 24 500 litres. Ah ouais, quand même. Moi j'ai 11 149 litres de soja à aller vendre, donc on va aller vendre ça. Ok, donc là tu vas vider. Ah ouais, je pense que l'argent il va monter, mais à une vitesse là avec les deux bennes. Ouais, là avec la benne ça va monter. Je pense que t'as fait 4000, je pense que je vais faire dans les 6000 avec celle-là. Ouais, carrément. Regardez-moi ça, l'argent va monter. Attention. L'argent monte, c'est parti. Et l'argent va continuer à monter puisque là je vais vendre le soja. Je ne sais pas jusqu'à où on va aller parce que j'ai encore 44 000 litres de soja aussi à vendre encore dans les silos. Regarde mec, l'argent comment il monte vite. Ouais. Oh, c'est un délire, trop stylé. On va avoir de l'argent. Je ne pense pas qu'on va rattraper Bastien, clairement. 8 000 euros. 8 800 et 16 000 euros. Ok, ben, je pense pas qu'on va te rattraper Bastien, mais il y a moyen que on y arrive. Moi je sens que t'étais à moins, moi je suis à plus, mais je sens qu'avec tes bâtiments et tout... T'as des bâtiments quand même, Bah écoutez Bastien. Ouais, bah écoute. Les amis, tant que Bastien fait ça, nous on va aller chercher de la culture au silo directement.
On va en profiter pour faire des allers-retours au silo, hein, tant qu'à faire. Et on va les vendre, du coup, on va commencer à les vendre les cultures. Donc la moissonneuse, elle est vidée. Là, on va continuer avec une bête de soja encore. Donc on a du soja, on a du maïs, on a un peu de tournesol aussi qu'on avait fait. Il y a 4000 litres de colza, je crois. Il y a un peu d'orge, un peu de blé. Donc à la limite, on va vendre le plus gros et le plus petit. Juste, je le calculerai à la fin. Combien il est racheté et combien. Voilà, je calculerai, mais j'en garderai. Parce que la partie, les amis, on va pas tout vendre. On va juste calculer combien ça nous fait à la vente. Parce qu'on va encore utiliser cette partie, les amis, parce qu'il va encore y avoir quelques lives dessus. On va rester sur quelques lives là-dessus. Le temps de démarrer la saison 2 de Hard Farm, tout simplement. Mais on va continuer à faire quelques petits lives bien sympas. C'est pour ça que j'ai pas envie de tout vendre. C'est-à-dire qu'on va pas vendre les bâtiments physiquement. On va faire une simulation de vente. Et du coup, on va prendre tous les prix, on va tout calculer. On va voir qui a le plus d'argent, tout simplement. Voilà, donc les amis, on fait une petite coupure, je vous retrouve tout à l'heure quand on arrive au point de vente. Allez, à tout de suite. Du coup, les amis, on y est, on a vendu la deuxième benne, on est en train de vendre. Voilà, 21 000 euros la benne. Ah là là, ça fait plaisir, 21 000 euros la benne. Du coup, les amis, avec Bastien, on s'est dit, on est en train d'en parler justement. On se disait qu'à mon avis, ça va être soit serré, soit pas du tout serré. C'est-à-dire que soit c'est Bastien qui va gagner très largement, moi à ce moment-là, je vais perdre. Soit ça va être l'inverse et moi je vais gagner, mais à mon avis de pas grand chose. Vraiment, je pense que ça va se jouer à pas grand chose. Parce que du coup, Bastien est en train de faire l'ensilage. Moi je fais des petits allers-retours là pour vendre le soja. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre le soja, après on va tout calculer. Et comme ça, après on pourra vous donner le gagnant de Hard Farm saison 1. De toute façon, les autres ne pourront pas gagner parce que bah ils n'ont pas autant de choses que nous. Mais on va tout calculer à la fin. Et on vous dira qui a gagné, qui a le plus d'argent sur Hard Farm. Et on va vous dire qui a gagné tout simplement la saison 1. Et comme ça, après, je vous mettrai un petit accéléré de la moisson, de la fin de moisson. Et on va faire des simulations, tout ça. Enfin, vous verrez, on va faire ça bien. Donc voilà. Oh là, je me suis pris un petit panneau. Ouais, très bien, très bien, très bien. Bon, en tout cas, les amis, je tenais vraiment... je le fais maintenant, mais je tenais vraiment à remercier tout le monde. Vraiment, c'était une super saison 1. C'est vrai qu'avec Bastien, on a un petit peu de regret de la quitter. Moi, ça me fait un petit quelque chose de la quitter quand même la saison 1. C'était une belle map, c'était une belle saison. Moi, j'ai adoré. J'adore ma ferme, vraiment, sur Hard Farm saison 1, j'adore ma ferme. Et vraiment, moi, ça me fait un petit quelque chose de la quitter aussi. Je pense que ça va pas être si facile que ça. Hein, mon Bastien? Ouais, franchement, ouais. Ça va pas être si facile que ça de quitter cette série. Mais voilà, je voulais vraiment remercier vraiment tous les acteurs. Je voulais remercier The Seb, je voulais remercier Trinka, Bastien d'avoir été aussi fidèle avec moi. Je voulais remercier aussi Papa Mika et Senna, c'est vrai qu'ils sont passés un coup de vent sur la série. Et on a eu des petits soucis avec eux, mais bon, ça reste quand même des personnes qui sont très gentilles et très sympas. Et je voulais vraiment les remercier encore une fois d'être venus sur la série, d'avoir partagé un moment avec nous. C'était quand même une belle aventure avec eux et je tenais vraiment à les remercier, à remercier tout le monde. Et vous allez voir les amis, la saison 2 va bientôt démarrer. Le premier tournage de la saison 2, les amis, on tourne le 2 octobre. Ça veut dire que le vendredi, ça veut dire que le premier épisode de la série sortira le lundi. Vous aurez probablement un petit teaser de présentation de Hard Farm saison 2. Enfin voilà, vous allez voir, Hard Farm saison 2, ça va pas du tout être la même chose. On va avoir beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui vont changer. Il va y avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas encore annoncées. C'est simple, les personnes qui sont annoncées pour le moment, c'est Bastien, c'est Trinka et c'est moi. Voilà, vous avez 3 personnes sur 10 qui sont annoncées officiellement. Le reste va venir du coup dans les animations et puis dans la petite preview qu'on va vous faire. Et vraiment, j'espère que vous avez kiffé la saison 2 autant que vous avez aimé la saison 1, voire même plus, parce que je pense que ça va être une série de malades avec les gens qui vont être là. Vous allez mais kiffer comme pas possible. Je pense, enfin en tout cas j'espère. J'espère que vous allez kiffer. Allez, encore une benne de soja, c'est parti. Ah ouais, mais Bastien, en fait je vais monter très très haut. Mais bien sûr, c'est enfin, très très haut, non. Je vais être à plus de 100 000 euros, mais... Regarde-moi ça, encore 21 000 euros la benne. Là j'ai encore une benne à faire, je crois. Plus je t'ai dit, en tout méchant que j'ai encore 2 trémies de 16 000 au moins. Il y a 2 fois 16 000 litres. Mais là, t'es en train de vendre ton silo, là. Ouais, là je vends mon silo, ouais, je vide mon silo. Et là, je vide le soja de mon silo. Donc là, il me reste 32 000 litres, hein. Tu comptes, j'ajouterai 32 000 litres au prix. J'ajouterai 32 000 litres, bien sûr. Toi, je pense que tu dois être pas loin de ça aussi, avec tous tes champs, non? Je sais pas du tout. J'ai pas fait une trémie encore, là.
Ouais, bah moi je sais à peu près combien je fais maintenant avec tous mes champs. Donc je sais à peu près combien je fais en soja. Donc je te dis, ça va être 2 trémies. La dernière fois dans les lives, j'avais fait 2 trémies à peu près. Deux grosses trémies comme ça en tout cas. Donc ça devrait le faire, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Bon, 86 000 euros, 86 700 euros, je pense que ça avance bien. T'as combien toi sur ton compte? Ça, 180 000, c'est ça? Ouais, c'est ça. 180 000, ouais, mais je vais être loin encore. Hein. Là, je pense qu'en vendant le soja et le machin, je vais être à 110, 120 000, pas plus. Hein. Mais sur ça va, tu vas pas être très loin de moi. Bah ouais, mais quand même, hein. Quand Hein. même, Après, quand avec les même, hein. En bâtiments. vendant les bâtiments, en vendant les machines et tout ça, Ah, tu vois, je suis Moi, là. pour moi, je parierai pas, mais pour moi, tu vas me passer devant de triple. De très peu. Ah, moi, Ouais. je suis prêt à prendre les paris. Moi, je. Ouais, peut-être, peut-être. Parce Peut-être, que là, peut-être. t'arrives bientôt, il te manquerait 100 000 euros pour arriver à mon chiffre du compte, plus tous les bâtiments, je pense que tu me passes devant. Bah, attends, là, j'arrive avec ma dernière benne de soja. Mais ce serait ouf, les amis. Ce serait Sachant, ouf s'il me passe ouais. devant. Sachant qu'il faut encore que je rajoute le soja, qu'il faut que je rajoute tout ce qui est dans le silo. On va compter, hein, on va compter tout Ouais. ça, les amis, ne vous inquiétez pas, on va compter, on va ne pas tricher surtout, c'est le plus important. On va ne pas tricher parce que ça sert à rien, bien sûr, de tricher pour savoir qui va gagner. Dans tous les cas, de toute façon, on fera pareil sur la saison 2, les amis. Il y aura, sur la saison 2, d'ailleurs, si vous avez des objectifs, n'hésitez pas à mettre des objectifs dans les commentaires. Et n'hésitez pas vraiment à commenter, à partager cette vidéo, les amis. Ça fait très, très plaisir si vous partagez cette vidéo. Et vraiment, n'hésitez pas à commenter, à nous dire les quelques points que vous voudriez qu'on améliore sur la saison 2. Si vous avez trouvé sympa cette saison 1, en tout cas, n'hésitez pas à vraiment commenter, nous dire si vous avez kiffé, nous dire quelle ferme vous préférez, tout ça. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. On essaie de. Enfin, moi en tout cas, de mon côté, j'essaie de répondre. C'est vrai que Bastien, toi, des fois, si tu vois des commentaires qui t'interpellent ou quoi, tu me dis, ouais, je voudrais répondre, machin, ok, on répond, tu vois. Mais Ouais, y a on va pas de essayer de souci. répondre à un maximum de commentaires et n'hésitez vraiment pas à mettre un max de commentaires dans l'espace commentaire pour vous, justement. Allez, ma dernière benne de soja, après, je vais commencer à additionner tout ça et après, on verra. Paf, allez, hop, bon, voilà, je passe les 100 000, hein. La question ne se pose pas. Après, je vais charger une benne d'ensilage pour aller un peu plus vite, qu'on finisse l'ensilage vite fait. Ouais, tu vois, là, je suis à 116 000. Encore une benne de Ouais. 21 000 euros. Ouais, je vais être à 130 000, quoi. Il reste beaucoup d'ensilage encore quand même. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, bah écoute. Et moi je fais des bennes de 8 000 euros à chaque fois donc ça monte vite hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il reste beaucoup d'ensilage. Il en reste 50 000, hein. Mais ce serait fou quand même parce que j'ai quand même 180, j'ai commencé avec 180 000 euros sur cet épisode et toi moins de 2 000, si tu me passes devant ce serait tellement ouf. Oui, c'est vrai, parce que j'étais à moins 2 000 quand même. C'est clair. J'étais à moins 2 000 euros quand même pour commencer cet épisode. C'est vrai que c'est pas un bon début, quoi. Moins 2 000 euros, ça annonce pas quelque chose de bien pour l'épisode, mais bon. Bon, les amis, ce qu'on fait, c'est que je vais vendre la benne, on calcule tout et on se retrouvera après tous ces calculs. Tout simplement, on va tout calculer. On se retrouve après ces calculs et voilà. Moi, je vous dis à tout à l'heure, les amis. On se retrouve pour débriefer à la fin de la vidéo, de tout ce qui s'est passé et pour finir la saison 1 de Hard Farm. Allez, les amis, moi, je vous dis à tout à l'heure. On vend cette benne et on s'en va. À tout à l'heure, les amis. Bien les amis, on se retrouve pour le débrief du coup de la fin de vidéo. Bastien n'est pas avec moi tout simplement parce que je la tourne après, parce que j'ai eu des petits bugs du coup, bah, je dois la tourner après. Pour vous faire un petit résumé, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Vraiment, celui qui va gagner Hard Farm, ça se joue à vraiment très très peu. Pourquoi? Parce que on a fait le cumulé de tout ce qui était culture qui nous restait à vendre, de tout ce qui était champ, de tout le matériel. Donc quand je comprends le matériel, c'est tout ce qui est tracteur, matériel, plus bâtiment. On a fait le compte des animaux et on a fait le compte de tout ce qui était bottes, ensilage, tout ce qui était lisier, fumier, lait, tout ça, tout ce qu'on avait à vendre. Pour Bastien, c'était plus la laine et tout ça. Donc voilà, on a fini les comptes et il s'avère que je perds.
Voilà, vous allez voir, ça va s'y afficher ici. Je vais vous mettre les deux scores. Bastien a un total de 1 414 000 euros. En fin de Hard Farm, s'il vend tout, il a 1 414 000 euros. Moi, j'aurai un total de 1 394 000 euros. Autant vous dire que ça se joue à pas grand chose, hein, parce que ça se joue en gros à 20 000 euros près. 20 000 euros, je pense qu'on aurait pu le faire assez facilement, on aurait pu aller jusqu'au bout de l'histoire. Maintenant, voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Moi, j'ai un peu du chagrin, enfin, c'est un petit chagrin de ça. Ça fait un petit truc, tu vois, j'aurais bien aimé gagner la saison 1, quoi, merde. Et voilà, du coup, bah, c'est pas grave, on va se rattraper sur la saison 2, sur la saison des amis, il est hors de question qu'on perde. De toute façon, on sera doublé par une autre équipe, ça je sais pas. Et moi, je vous dis, sur la saison 2, les amis, il est hors de question qu'on perde face à Bastien et son équipe. Du coup, on va tout faire et tout mettre en œuvre pour gagner. Voilà, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bien, les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la tourner. Je tenais à remercier vraiment tout le monde, encore une fois. Tous les acteurs de la saison 1, toutes les personnes qui m'ont soutenu, toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette saison 1. Je tenais à vous remercier, vous aussi, les abonnés, de me soutenir sur ma chaîne, de vous être abonné à la chaîne, de mettre les cloches de notification, enfin tout ça. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos dons, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je tenais à remercier vraiment tout le monde là-dessus. Et voilà, la saison 1 s'achève maintenant, les amis. C'est terminé. Les vidéos de la saison 1 sont finies. On va passer maintenant à la saison 2 à partir du lundi 5 octobre. Premier épisode de la saison 2 de Hard Farm qui sortira. Là, vous sera dévoilé les nouveaux acteurs de la saison 2, les nouvelles maps, les nouveaux mode, tout ce qui va se passer en fait dans la saison 2 va vous être dévoilé durant le courant de la semaine. Et moi, eh ben, je vous dis à bientôt, les amis, vraiment à bientôt. Et on se retrouve du coup, de toute façon, vous inquiétez pas, mardi soir à 21h15 en live sur ma chaîne pour Hard Farm. On a un gros live de patates à faire. Voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine et à demain. Bonne soirée à tout le monde. À demain.